Et voilà Pipiro. Hey Pipiro, c'est toi, tu es de retour? Oui. Depuis quand? Je viens d'arriver comme ça. Tu as encore grandi, hein? Sinon, comment va ta fille, non? Elle va bien. Bébé. Mais elle est grande. J'ai pas d'argent maintenant, mais la prochaine fois. À la prochaine, au revoir. D'accord, au revoir. Oh. Les gens grandissent vite au village. Pipiro. Hey, comment non? Comment vont tes gens? Lesquels gens? Les gens de l'endroit d'où tu viens. Tu les connais? Je les connais avant, non? J'ai été aussi là-bas. Ah, ils vont bien. Ah. Oui. C'est même quoi ton nom? Mon nom? Oui. Tu veux connaître mon nom? Tu as trop grandi. Pipiro. Tu es un beau garçon, eh. Bonne arrivée. D'accord. Au revoir. Ah. Les filles de maintenant. Regarde comment elle a grandi. Les gens vivent bien au village. Et moi, je fais souffrir mon corps en vie. Pipiro! Hey, Nina, Pipiro! Pipiro! Mais comment hey, ça va? Mon gars, de toute façon, donc, tu marches, on dirait que tu vas en guerre. Pipiro! Je vais bien. Tu es arrivé quand? Moi, je viens d'arriver, viens d'ancrer. Tu as changé. Sans te mentir, la ville est difficile. Hein? C'est pas vrai ça. Comme tu vois, la ville est très difficile, on dirait que ça a les dents. On dirait que tu es revenu par train. Toi, tu es toujours là au village. Tu fais le brancher ah, du village. Mon gars, Pipiro. Un petit du village. Pipiro. Bon, laisse-moi aller déposer mon sac, hein. D'accord, à tout à l'heure. Hé, hey, ces gens-là. Ils jouent les grands par contre du village. Et moi, je perds mon tabi disant que je suis en train de chercher l'argent. Et même les petites filles d'hier sont déjà grandes. Maintenant, je suis de retour. Tout le monde va me sentir. Tout le monde est de retour. Je te dis, et c'est depuis hier soir qu'on s'est quitté. Ne t'en fais pas. Je ne me sens pas bien. Je sais. Je te dis. Tu sais, je suis sérieux. Tu vois mon terrain qui est à côté du cimetière. Uh-huh. Je vais le vendre et je te remettrai tout l'argent. D'accord, je sais ce que tu peux faire je pour moi. Je t'ouvrirai une boutique. Je crois en je toi. Je t'ouvrirai un bar. Je sais ce que tu peux faire pour moi. Ça, c'est vrai. Je sais que tu m'aimes. C'est ça. Et que tu peux faire tout cela. Tu sais que je suis là pour toi. Ah oui, tu es un bon type. Ah oui, tu vois, c'est des choses vont bien sortir après. Donc tu es dans ce village. Pipiro, comme ça tu me fuis. Viens. Donc tu es dans ce village. Donc tu es dans ce village, viens. Maintenant tu me fuis, Pipiro. Mais Ego, qu'est-ce que tu as? Tu veux?
Tu comprends? Mais regarde cette montre. Moi, je ne l'aime pas du tout. J'attends qu'il faudrait que... Ok. Tu vois, comme je te parlais de la Suisse, quand tu arrives à Paris, c'est la capitale de l'Europe, la grande Europe que tu connais. De là-bas, tu peux prendre un métro en passant par l'Angleterre. Après, là-bas, tu te retrouves en Suisse. Il faut que tu retiennes bien. Parce que si je ne veux pas retenir, ne viens plus ici. Ça, c'est bien, monsieur. Asseigne-la, asseigne-la. Vas-y, continue ta leçon. Oui. Hey. Toi, où est-ce que tu vas? Laisse cette femme tranquille. Laisse-la. Qu'est-ce que tu fais? Non, elle va pas partir. Elle va me dire ce qu'elle fait ici. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas. Viens là. Voilà. Hugo. Laisse-moi l'arrêter. Oui, pas. Voilà. Toi là, tu ne peux pas rester tranquille. Tu peux pas écouter ce qu'on te dit. Hein? Mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Hein? Je te dis, viens là. Regarde-moi bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu chercher au village? Tu étais supposé être en ville pour te débrouiller comme un homme. Tu m'envoies en ville et toi tu restes ici t'amuser, c'est mais ça? Mais tu devais être en ville. Donc, tu n'as pas encore bien grandi. Tu es sous cours. Regarde-moi. Tu es parti d'ici, tu faisais 40 cm. Attends. Papa, tu m'envoies en ville pour rester ici comme être l'abomination, hein? N'est-ce pas, j'ai dit, on même que tu me laisses. Laisse-moi. Oh, Nina. Allô, papa. Vas-y, dis-moi, papa. Qu'est-ce que tu as oudé l'enfant de mon oncle? Et je te reprends à nouveau. Ce qui a tué Oudo, l'enfant de ton oncle, était-ce la maladie, Dieu lui-même, ou alors les deux combinés ensemble? Et par rapport à Ego, c'est fille que moi j'ai laissé avant de quitter au village. Mon frère, tu as quitté la ville pour venir ici m'interroger. Si tu aimes les questionnements, va rejoindre la police. Ne t'entraîne pas sur moi, Gassingo. Papa. Maman. Tu sais pourquoi je te demande? Parce que tu es un sorcier. Tango. Alors tu dois changer. Sinon, juste le changement qui va te changer. Mais je t'ai répondu. Quelle autre réponse tu veux? Hein? Dis-moi la vérité. La vérité est ceci, mon enfant. Toi, tu es l'enfant d'un sorcier. Fini. Tu veux pas me dire la vérité? Je te parle, oh. Je veux connaître la vérité. On dirait que tu me cherches. Vérité. Les dieux ont dit qu'il est extrêmement urgent pour nous de former un groupe de patrouilleurs. Un groupe qui sera plus fort que le groupe de Bakassi Boy. Je pense qu'il est bien. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Message. D'où proviendra leur pouvoir? Des esprits. Pourquoi vous? Les dieux me montreront comment je pourrais les rendre forts. Choisissez. Si j'ai une zone dans cette communauté, oui, il faut éviter de choisir ceux qui ont touché une femme. Vous l'avez entendu. Oui. Et oui. Le problème est de savoir comment faire pour avoir ces jeunes hommes. On va le trouver. Allez-y, dites-moi,
Qui est ce Paipa? Qui est ce petit garçon qui va venir aujourd'hui nous apprendre comment diriger notre village? Cet enfant que tu dis a été choisi par les dieux. Oui. Pour nous parler. Hein? Vous dites quoi? Quel dieu? Quel dieu l'a choisi? Les dieux de nos terres. Ce bandit, ce menteur qui a été chassé de l'enseignement à cause de son ignorance. Maintenant, il devient subitement l'envoyé de Dieu. Moi, je n'accepte pas. Hein? Si tu n'acceptes pas, non, on accepte. C'est pas ça. Dans ce cas, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, tu partiras de ce village. Ce groupe de jeunes gens dont on parle sera formé. Oui. Trop de mauvaises choses se passent dans ce village et il faut que ça s'arrête immédiatement. Oui. Et si toi, tu n'es pas d'accord avec cela, attendez, tu es libre de t'en aller. Vous il faut partir. Oui, toi, tu vas. Vous devez m'écouter. Je ne veux plus t'écouter. D'ailleurs, de notre groupe ici, toi, tu es Libanais. Toi. Moi, je suis Libanais. Oui. Tu vas partir de tu ce village. Partir. Tu dois partir. Oui, tu dois partir. Trop, c'est trop. Tu dois partir. Oui, pas. Et notre village sera propre. Si tu n'es pas, si tu n'es pas d'accord de ce qu'on dit ici. Et même toi, tu es même trop vieux pour parler ici. Tu es trop vieux. Oh, Kosigan. L'infime ne peut marcher s'il ne se sert de ses deux pieds. Brick. Comme ça tu seras. Je te rends infime. Ce n'est pas ma volonté, la destinée. J'ai fermé la porte autour de mon père. Piétine. Oui. Marche. Ah ouais.
Le démon a essayé mon père. Faire quoi? Mais les dieux ont dit non. Vous devez trouver ce jeune Nujaman. Mais, grand prêtre, que ferons-nous? Allez recruter les 6 jeunes hommes. Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Nous le ferons sage. C'est bon. Quelqu'un est venu voler mon vin. Hey! J'ai laissé 2 gouttes ici. Quelqu'un a envie de jouer avec Ekwe, mais... Hey, hey. All right. Où est-ce que vous êtes? Hey! Hey, bien, bien. Arrête de jouer avec ça. Non. Tu sais bien que ce déchet n'est pas assez solide. Dis-moi où tu as caché ton argent. Sinon, tu es avec des déchets. Vas-y, dis-moi vite. Pépiro, regarde très bien ma façon. Et vois-tu une souris? Lorsqu'un chien et son maître s'amusent, on a comme impression que le chien n'a pas de dents. Malheur à toi si je tombe. Tu crois que je blague? Hey, je ne blague pas. Là? Tu es fou? Arrête ça! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pépiro! Tu veux qu'on paye où? Oui, attends, je vais te montrer. Derrière mon placard, j'ai gardé de l'argent là-bas. Ah! Ouais. Chineke. Montaclé est bon mot. Non, avec la nouvelle. Américaine. Au goût là. Au goût là. As-tu touché une femme? As-tu touché une femme? Hello.
Maintenant, mes enfants, vous êtes déjà initiés. Initié. Allez nettoyer notre communauté. Initié. Grand sage, nous voulons un leader. Les dieux ont préparé un leader pour vous. C'est le fils de Mazie Kweme. Qui est-il? Il est comme moi. Il est venu au monde le même jour que moi. En fait, on devait être des jumeaux. Mais les dieux nous ont séparés. Et nous sommes mis dans des différentes maisons. Est-ce que vous parlez de Pupureux? Comme tu l'as dit. Hey, 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 hey,